à part la dame qui est à côté là, tous les sorciers venez, ceux qui veulent parler, venez. Pas dans le micro. Tu es quoi d'abord? Je suis sorcière. Hein? Qui t'a donné? Je suis née avec. Oui, vas-y. Quand ma fille est très gentille. Parle fort, on va entendre. Elle habitait à l'église. Elle avait un maquillage. Ta fille était ici à l'habitant. Il faut parler fort, on va entendre. Ma fille était ici, elle habitait à l'église. Elle avait un maquillage. Parle fort. Elle m'a appelé. Elle dit, maman, je vais faire ma fille bien voir. Ah, elle a dit, maman, viens voir le maquis. Je suis venue. J'ai fait un jour, deuxième jour. Parle fort. Les gens venaient comme ça. Dans le maquis. Dans le maquis. Ça marchait comme ça. Parle fort, madame. Deux jours, troisième jour, je me suis changée à chien. Et chaque soir, je me arrête devant. J'ai paniqué les gens de rentrer dans le maquis. Elle dit, maman, dans ces jours, ça ne marche pas. Hier, ce que j'ai payé. Poisson, brûlé, tout ça, c'est resté comme ça. Elle met dans le congélateur. Demain encore, elle commence à faire toi. Je dis, ah, maman, tu es venu, elle commence à ménager mes choses. Donc, il faut partir. Poisson que j'ai fumé, les choses, brûlé, tout ça, là, prends, tu vas partir. Elle, je suis partie. Toujours, même chose, je faisais tout le même jour. Jusqu'à elle a vendu le maquis. C'est toi qui as fait. C'est moi qui as fait ça. Pourquoi le maquis marche? Il t'est transformé en chien. Et tu as fait quoi d'autre? J'ai tué ma mère. Ta propre maman? Oui. Comment? Parce que mon frère, il était malade. Maladie qui fait tomber là. Il avait ça. Il avait ça. Maintenant, jusqu'à ça durer avec lui. Il est devenu toc-toc. Il se déshabille dans la vie, attentueuse, dans le village, il puisse se promener. Donc, maman dit, quand il le voit, ça lui fait honte. Poulet n'a pas fait sorcellerie. Elle a même le droit d'en manger. Qui a tué? Tu dis, t'as tué ta mère. Oui, c'est ça, je suis à faire. Non, tu n'expliques pas. Tu dis, elle n'a pas fait sorcellerie. Il faut dire, je l'ai tué, elle allait s'empoisonner. Donc, maman a tué mon frère, mon grand frère. C'est ça, moi, j'ai tué ma maman. Et c'est vrai, vraiment, il a tué comment? Pour tuer maman, là. Quand on a mis le corps de mon grand frère, vous avez pensé là, je dis, c'est maman qui l'a tué. Donc, si tu vas là, pas tuer, il faut venir la chercher. C'est ça, même pas une semaine que maman est morte. Et comment tu l'as tué? Oui, c'est moi. Parce que lui, il a fait ça. Tu as tué, tu as gâté qui est qui ont rêvé sur tes enfants. Mes enfants, c'est trois. J'ai gâté le travail de l'autre là. L'autre là aussi, j'ai fait, je n'ai pas enfant. Cinq enfants. Celui qui ne fait pas enfant, là, tu as fait comment? J'ai passé le matin là. Hey, j'ai pris. Mais le soir n'est pas soir. Matin. Tu as dit matin, je demande le soir. J'ai joué avec son kiki là, tout son nom là, j'ai mis la gueule. T'as fait quoi? J'ai joué avec son kiki là. Tu l'as masturbé? Oui. Et puis, il a éjaculé. Excuse-moi, il faut qu'ils expliquent pour que les gens comprennent bien. Et puis, tu as pris le sperme? Avec sa voix. Hein? Avec sa voix. Non, tu as pris le sperme que je t'ai fait. J'ai mis la gueule avec sa voix. Donc maintenant, il n'y a rien dans le sperme. Oui. Et qui fait qu'il ne peut pas procréer ton propre enfant. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Après au village là-bas, comme je suis veuve, j'ai dit à mon grand frère de me donner un chien de cacao. Il ne m'a pas donné. Dans ces jours-là, je suis en train de brûler ce chien. En train de brûler ce chien. Comment? En sorcellerie. Comment tu as fait? La nuit, je vais là-bas, je mets le feu. La nuit, tu mets le feu. Tu as tué combien de personnes depuis tes sorciers? Si c'est pas normal, c'est pas normal. Tu as tué combien de personnes depuis que tu es sorcier? 60 combien d'années? 61. 61 ans de sorcellerie.
Vous savez que je fais le papa. Faut arrêter de courir. Tiens. Va t'asseoir. T'as tué quand même. Ça fait. Ah, ça va. Quel sein? Oh, va t'asseoir. T'as tué 722. Allez, va t'asseoir. Va t'asseoir, t'as tué 722 personnes, tu dis t'as tué 725 personnes. C'est quoi ça? Tu t'as mis les ongles. Hein? Tu penses que c'est pas ce que tu as fait? Bon, non, tu es délupé. Allez, va chez toi. Faut retourner. Allez, va tout retourner. C'est quand le comité est en train de jouer. Tu dis t'es venu te faire délivrer. Tu maltraites des enfants, tu gardes leur commerce. On veut te délivrer, tu dis, mais tu es, sauf ma maman. Tu as tué comme un saint. C'est 722. Tu penses que quand tu parles, Dieu me dit le nom des gens qui t'ont tué. Moi, je peux te dire, vas-y, qui t'a fait. Faut confesser. Moi, t'es délivré un jour. Va t'asseoir d'abord. Là, je t'ai pas chassé. Parce que je suis capable de te chasser. Si tu ne veux pas te confesser, tu vas chez toi. Merci. Tu n'es pas prêt. Allez, va chez toi. Allez, micro. Je m'appelle Fomba. Attention, je m'appelle beaucoup, c'est que Dieu. Vas-y rapidement, on n'a pas trop de temps. Je m'appelle Fomba Afou Regina. Je suis une sorcière. C'est ma camarade qui m'a donné la sorcellerie par la nourriture. La nuit, elle est venue me chercher. Elle est partie en cause spirituelle. Qu'on est parti. Quand des sorcières, il faut les spirituels. Quand tu dis spirituel, c'est dans sa journée. Mais oui, elle a un sens joli spirituel. Il y a qu'un des sorciers. Chaque chose a son nom. Ils m'ont donné du sang, de la chair. Quand j'ai mangé, ils m'ont dit de repousser. Et repousser, ça m'a rappelé du sang. Au moment de partir, je faisais, je me suis transformé en corbeau. Je suis arrivé là, je me suis transformé en chat. J'ai appelé son nom trois fois. Et j'ai vu son âme, je l'ai transformé en bouton. Ils m'ont donné la tête et le cœur. Le pouvoir qu'ils m'ont donné, j'ai tué 200 personnes. Tu tues comment les gens? Je te regarde et puis je te tue. Comment? Je te regarde dans les yeux. Tu dois aller quelqu'un plus bien expérience. Donc il y a les flèches dans tes yeux. C'est quoi? Qu'est-ce que tu... Les sorcières. Sinon, j'allais te chasser. C'est la sorcière. Moi, je confirme. Faut arrêter tes comédies. Tu crois pas. Si tu veux. Il y a un frère qui m'a envoyé. Où il est? Celui qui m'a envoyé son frère là. Il m'a envoyé son frère. Où il est sorcier? Il est sorcier. Mais quand je te regarde, quand j'ai fait le tour là, j'étais en train de voir celui qui est sorcier ou pas. Ok. Tu es sorcier. Sinon, il n'allait pas même, il même te dire, va t'asseoir. Ça n'engage que toi. Mais ça n'engage que toi. Va t'asseoir d'ailleurs. Va t'asseoir. Madame. Va t'asseoir. Hey. Oh, va t'asseoir. Quelqu'un qui n'est pas sorcier, quitte là. Vas-y. Je regarde la personne et je tue la personne. Quand je prends des photos magiques, je tue la personne. J'ai gâché la vie de mon papa et ma maman. J'ai rendu ma maman malade. Elle chie où elle fait, puis elle chie aussi. Là, les gens vont pas s'approcher d'elle. Puis je sors ma maman. Je sors. Tu fais comment? Je tape mon bas avant. Rien là-bas. Je tape mon bas avant. Et mon.
Qui sont Qu'est-ce que c'est ça? On te dit ça. Tu dis pourquoi? Et tu sors avec elle? Oui. Il t'a gâté qui t'a fait quoi? J'ai gâté mon pain. J'ai pris son argent pour mettre un canari. Il a beaucoup d'argent, ça rentre dedans. C'est un grand souci. C'est un vrai petit diable. J'ai gâté la vie de mon papa. Quand il a pris son argent, il a mis ça dans le canari. Chaque fois, moi, s'il a beaucoup d'argent, ça rentre dedans. Mais si c'est un endroit où vous pouvez être délivré. Tu veux manger? Tu veux manger? En fait, délivrance. J'ai dit Elle nous voit un choubouya ou bien. Qui peut, qui est gourou? Qui est sorcier? Qui est le souhaï? Alors, elle est le sorcier. Mais pourquoi il est un? La vie, elle est terrible. Elle est pas les affaires. Allez, si c'était Denis. Madame, ici, là, c'est pas chez toi, ici, c'est l'église. Voilà, moi, je vais t'aider, non, ta comédie, il faut arrêter ça. C'est moi qui ai dit ça. Voilà. On est là, on veut t'aider. Si tu veux pas te faire aider, on va te mater dans la prière. Mais oui, j'ai témoigné. Elle dit quoi? Faut arrêter, fais ça. Au lieu d'arrêter ça. Voilà. C'est là-bas que tu peux faire sorcellerie. Mais ici, tu ne respectes pas Dieu. On va te corriger. Oui. Ici, c'est la brigade, on ne s'amuse pas. Demande à un sorcier ou pas. Oui. Chez Dieu, c'est l'ordre. Chez Dieu, il faut lui dire dans la maison de Dieu. C'est l'ordre. Ok. Va t'asseoir. Va la faire asseoir. Elle est là, baba. Va t'asseoir. Allez. Faut l'amener ta maman. Amène-la. Quelqu'un qui veut faire 7 ans comme ça. Va t'asseoir. Allons-y. Gâcher la vie de maman. Les chiots où elles font, ça ne marche pas. Puis les chiots ce qu'elles font. Puis elles ont rendu malade. Et cassé le pied de mon pas. Comment tu as fait? Quand ils voulaient me tuer sur un tronc, ils ont pu me taper sur le caillou. C'est tout ce que tu as fait? Non. J'ai cassé le pied de mon petit frère et sa fille. Puis attaché mon couple, mes deux grands frères. Vous faites quoi? Mon grand frère, mes deux grands frères. Pourquoi? Pour les manger. Pour les manger? Oui.
Qui a venu le petit là? Tu veux changer? Tu veux changer? Allez, pas de boulot. C'est dangereux. Tu es rentré dans la sorcellerie? Hein? Tu es rentré dans la sorcellerie? Donc, c'est Satan que tu aimes maintenant. Mais comment c'est passé? Nous sommes au village, je suis à l'église. Donc, c'est un homme de Dieu que... Tu es rentré dans la sorcellerie. Oui, papa. Ah, c'est tout. Tu as fait une nonne à l'église, un homme de Dieu. Papa. C'est pas mon problème. Comment tu t'es retrouvé dedans? Je me suis retrouvée dedans. C'est la vieille, j'étais dans la confrérie de ma mère. Donc, quand j'ai fui avec mes enfants, puis je suis partie au nord. Et puis du nord, j'ai appris que le prophète, il y a un prophète qui est venu à Zaroko, il est venu avec tous mes enfants. Et puis on a fait des livres. Donc quand la vieille est décédée, ils ont demandé à ce que je parte pour faire son funérail. J'ai dit je ne vais pas. Parce que si je vais, ils vont me tuer, puis ils vont tuer tous mes enfants. Parce qu'elle-même, elle est la reine de la sorcellerie. Donc elle m'a programmé et j'ai donné... Tu es rentré dedans. Oui, papa. Comment? Je suis rentrée dedans en mangeant la chair humaine. Elle m'a, c'est la confrérie de ma mère. Donc un matin, tu te retrouves dedans? Oui, papa. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai tué. Et où t'as laissé Jésus? Hein? Ils m'ont détruit, papa. Non, arrête. Où t'as laissé le Seigneur? Je partais toujours à l'église, quand même. Et tu tues les gens. Tu gâtes la vie des gens. J'ai gâté la vie de mon fils. J'ai tué mon premier fils. S'il te plaît. J'ai tué mon premier fils. Mon deuxième fils a dit de lui donner. Donc, je n'ai pas donné l'enfant, mais dans la confrérie, je ne peux pas refuser. J'ai accepté, j'ai donné. Et puis, j'ai lancé une prison sur lui. Ça veut dire quoi? S'il est parti en prison, il est prisonnier là. Il ne peut pas le prendre. Tu es encore quoi? Il faut bien expliquer. Tu avais dit quoi? Tu as lancé prison sur lui? Mon fils, mon deuxième fils. Je lui ai dit de voler, puis il vole. Comment tu as mis ça dans sa vie? J'ai mystiquement, j'ai écrasé, comment dirais-je, la feuille grattoire. C'est quoi ça? Une feuille, elle gratte, quand elle te touche, tout ton corps te gratte. Mystiquement, j'ai écrasé. Et puis j'ai sifflé son nom. Et puis j'ai dit, il faut aller en prison. Il faut voler, tu vas partir en prison. C'est comme ça que je l'ai dit. Et il est en prison. Il est sorti, mais il est habitant. Et donc, tu as mis l'esprit de prison sur lui. Voilà. C'est-à-dire constamment, il peut aller en prison à tout voilà. moment. Quand la vieille est décédée. Oh non, réponds ma question. Oui, papa, quand ça oui, fait papa. La vieille est décédée. Oui, papa. Et tu as fait quoi d'autre? J'ai tué une camarade. Qui n'avait. Donc tu es allé au Burkina Faso. Non. Tu as quitté, tu as fait le Côte d'Ivoire chez la Burkina et t'es bâti. Elle était chez moi, une camarade. Elle vivait avec toi. Oui, papa. Mm-hmm. Explique. Elle vivait avec moi. Donc je l'ai transformée. Et puis. Donc, elle vivait avec toi. Tu as voulu manger. La confrérie m'a demandé. Donc je l'ai livrée. Vous l'avez mangé? Oui, papa. Comment c'est passé? Dans la confrérie, c'est passé dans la confrérie. Si c'est toi qui as donné, c'est toi qui prends le cœur et puis la tête. Et c'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait, papa. Une personne qui t'appartient, même vous n'êtes pas parents et tout ça, et puis tu es arrivé à la livrer. Tu as fait quoi d'autre? Tu as fait quoi d'autre? Après ça,
j'ai rendu mon petit-fils, mon neveu, infirme. Comment tu as fait? Et toi là? Tu as fait comment? Non, un pied, un bras, j'ai enlevé aussi. Il est infirme. Comment tu l'as arrangé à enlever les os? Mystiquement, j'ai tiré ses os. J'ai tiré, comment dirais-je, l'eau dans ses os. Et puis, il est affaibli. Bon, l'os n'a plus, n'est plus vivant. Il est paralysé. Oui, papa. Comment tu es arrivé à tirer l'eau? Tu as fait comment? Mystiquement, j'ai sucé. Merci. Et tu as fait quoi d'autre? Ma dernière fille, je l'ai tuée. La confrérie m'a demandé, je l'ai tuée. Cynthia. Comment tu as fait? Dans le mystique, c'est comme si j'ai mis des animaux dans une cage. Et puis, mon grand frère est venu, un cousin, il est là, il est venu, il me dit, donne-moi. Donne-moi un de tes cobayes. Et je connais. Puis je lui ai donné. Quand je lui ai donné, et puis l'enfant est tombé malade. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la délivrance. Ah, si je n'ai pas fait ça, puisque j'étais dans la confrérie, on me poursuit. Je sais que tous mes je enfants... Je suis où je fais. Je ne suis pas encore quitté. Je suis dans la délivrance, donc tous mes enfants vont finir. Non, donc maintenant c'est... on va te délivrer. Tu es encore dans la confrérie. Donc, si je ne quitte pas, si je ne fuis pas, tous mes enfants vont finir. Je ne sais pas si c'est le français. Donc toi, tu marques les autres, tu peux te fuir. Oui, papa. Oui, papa. Avant de fuir même, je suis partie confier mes enfants à un féticheur, c'est ce qui a aggravé même le problème de sorcellerie là. Croyant que j'allais avoir la délivrance. Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Aïe.
puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. J'ai toujours expliqué, j'ai dit quand quelqu'un a la sorcellerie, il a un démon en lui. Ok? Après les aveux, il faut qu'on chasse le démon. Et si on n'a pas chassé le démon, il reste toujours sorcier, malgré les aveux. C'est pour cela que, après avoir fait les aveux, il fallait que le démon parte du corps, qu'on le chasse. Compris? Une fois le démon est parti, c'est fini. La personne est délivrée. De l'esprit, de la sorcellerie. Tu vas la lâcher au nom de Jésus. Allez, libère-la. Lâche-la. Dans ce corps, l'Esprit de Dieu consulte tes œuvres dans ce corps. La main de Dieu te touche. 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 Le feu consulte tes œuvres dans ce corps. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans ce corps. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu consume dans ce corps. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans ce corps. Le feu de l'Esprit de Dieu. Feu de Dieu. Allez, lâche-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Le feu. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus. Le feu sort d'elle. Toi, sort d'elle. Toi. Allez. Allez. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus, lâche-la. Tu vas la libérer, c'est un arbre. Tu vas la libérer. Lâche-la. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle. Dans le nom de Jésus, tu lâches son âme. Maintenant même. Tu lâches son âme maintenant. Tu la libères. Maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Libère-la. Lâche-la au nom de Jésus. La jeune fille a mené la délivrance. Toi, hein, prends-la. La puissance de Jésus, la puissance de Dieu. Lâche-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Lâche-la. 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 Sors. Quitte ce corps dans le nom de Jésus. Libère-la maintenant même. Libère-la maintenant. Voilà, sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez, le feu. Le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Le feu de l'esprit. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres. Le feu. Allez, feu. 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 Le Saint-Esprit consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-la. 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 Tu la libères maintenant même dans le nom de Jésus. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Lâche-la.
Lâche-la. Lâche-la. Fais. Tu vas libérer son âme et tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Libère-la. Va-t'en. Va-t'en. Libère-la. Oui, libère-la. Oui, libère-la. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Tu libères son âme. Lâche-la. Libère son âme. Libère son esprit. Maintenant, tu la libères. Dans le nom de Jésus. Tu la libères. Dans le nom de Jésus. Tu libères son âme et son esprit. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance ce soir. Au nom de Jésus. Touche-la. Je délivre au nom de Jésus.